chaque jeune policier qui est vivant, qui t'a su de ce faire le matin là. Non seulement Vina pour porter solidarité avec parents policiers, mais porter solidarité avec policiers qui vont vivre chaque jour de travail avec policiers qui ont disparu là. Policiers qui ont disparu, policiers qui ont assassiné dans mauvaises conditions que nous tous connaissons. Nous avons pensé que c'est un moment pour tous les policiers qui sont unis, pour tous les policiers qui sont mis ensemble pour avoir une réponse avec ça. Fait là. Sinon, si nous étions comme ça, nous suivons, nous attendons ces gens qui vont décider pour nous, nous tout avons disparu. Je dis à la police des parents. Mais je m'en dis qu'à garder mon lâché. Qui a dit non. La savane, non, parce que c'est seul police, c'est seul la victime, toute la victime. Là. Nous m'en dis, moi, je dis à mon dit non. Nous-mêmes, nous sommes ici pour nous condamner. Jean que policier mouria et nous toujours qu'on dit il faut bien des enquêtes qui menaient pour joindre qui est ce monde qui était impliqué ou pas dans ça qui passait à la parce que nous avons que policier était capable de porter tête à aller policier avec un griot était capable de prendre machine pour un zam pour aller et qui cause que yo mouri et nous connaissons un pile dans policier ça yo surtout gen un qui quitte un petit monde 3 mois et gen l'autre qui quitte l'autre petit monde encore qui donc c'est vraiment triste. Et ensuite, tout, nous connaissons que nous avons une délégation qui a sorti dans la direction générale de la police qui a venu là pour rencontrer avec les policiers ou pour chiter ensemble avec eux pour en fait prendre doléances policiers. C'est là pour là tout pour assister parce que côté qui a discussion pour intérêt policier, pour avantage policier, nous là pour nous-mêmes, pour nous tenter qui sa policier, Pétionville, pour la proposer avec. Et état-major la police là. Et nous, pour être très important pour la délégation ça qui venue. Et nous remercions tous les policiers Pétionville pour compréhension qui comprennent que aujourd'hui, les bons problèmes pour nous résoudre, il faut que nous dialoguer pour nous capables de résoudre. C'est à féliciter pour le comportement policier Pétionville. Et tout nous dit que bravo tout à la délégation qui a venu là pour prendre doléances. Les policiers pour nous garder qui ça qui va faire par rapport avec ça qui va se faire. Mais comme policier ça, vous avez joué ou bien? Bon, nous connaissons que 3 policiers qui ont joué le même jour, il y a eu qui, jusqu'à présent, qui n'ont pas comme joué. Et qui donc, nous croyons que, je dis à la policier ça, ce n'est pas ça que nous te souhaitons, c'est des policiers qui ont joué, et entièrement dignes. Et nous allons proposer au niveau Sénapoua, il faut que drapeau pays en ben joue entièrement M. Sage. Drapeau PPT, il y a les potes, 5 personnes qui ont perdu la vie dans le cadre de fusil, dans le cadre d'attaque, dans le cadre d'examen, canaran fait sous diverses personnes dans la zone de Silla, ça qui la cause, les potes, 5 personnes qui ont perdu la vie, plusieurs cas ont boulé, et qui ont tout divers, l'autre incident qui arrivait, l'autre dégât qui causait. Je ne connais pas pendant tout le week-end, c'est une situation très difficile. Moun canaran à vivre, moun ap konnen dans zone si la yo, dans différents canaran yo, et pas oublier que neg canaran yo même yote déjà information moun nan zone nan te fait konnen neg envahi zone Jérusalem, Onavil, Koray, Chesles, qui donc moun nan zone sa yo depuis pendant week-end là c'est en bas à cabane et yo pas ka sorti fann di bien pas gen moun nan zone nan ki ka sorti et si la ki dehors tout rete dehors ou pas ka entrer dans zone si la yo et sou en dedans ou pas ka sorti parce que leur sorti information que capable fait crédit fait confiance nèg yo mande ou ki kote ou pralé yo fouyo yo gade sa gen sou valise ou pou yo wè et est-ce que ces zones ont quitté.
et soit quitter zone là, yo mando qui soit fait avec eux-mêmes là qui te seulement dans zone là. Qui donc situation li très très compliquée et information encore nous qui a fait confiance gagné quelques andi et quelques boss maçons qui ont même tap cal sorti tap le travail et fouillé bec monsieur nek, yo fouillé bec yo, là regarder ouais tiwel, yo ouais niveau, yo ouais ruban métrique. Bon, on n'est pas les français mais ça n'est les maintenant. Yo ouais ficelle. Il m'a dit, monsieur, quand tu es allé, les gars disent, bon, il n'y a pas de travail. Mais les gars disent, non, tourner, pas de question de travail. Ils ont fait boss maçon, ça a fait, monsieur, ça a tourné pour être dans zone, non. Information encore que nous, qui a fait confiance, qui est de côté, dans différentes, on dit, impasses, endroits, soit dans Canada, soit dans Jérusalem, soit dans Onaville, soit dans l'autre côté encore. Mais les gars ont coupé route là, ou bien ont mis des barricades pour empêcher si la police à travers blindé yo t'a gagné idée rentrer pendant dans zone ça pour des difficultés pour pas rentrer dans espace si là. Qui donc son situation qui est très compliquée et ça qui mettait jeudi à la police stationnée en Haïti dans gros difficulté pour l'ita dit marté problème ça parce que pendant que la police a géré et problème qui gagne dans zone Métivier zone Greffin avec deux nègres armés qui ont un problème, qui ne songeait pas dans le week-end, non, qui éteint la vie trois policiers sous place, Guéon qui disparaît, une sortie blessée grave, et Guéon simple citoyen qui lui-même perdit la ville, qui s'est en chauffeur camion, selon l'information, yo, et c'est dans le même moment où la police a essayé de garder ce qu'a géré, problème canarin lui-même, qui je dis, hein, et vint tourner une véritable nous qui a dit on l'a fait pour moun qui vivent dans la zone ça. Situation en pile, problème en pile, mais pas oublier ça, je dis à puis, gros préoccupation pour la population haïtienne, non, c'est question insécurité à sévère. Oui, toujours question insécurité. Nous t'ai annoncé ça dans notre site journal avec question kidnapping à côté citoyen qui a des difficultés pour être capable de régler l'activité, yo rete dans la zone, puisque, les examens, c'est eux-mêmes qui ont fait la loi, et bien, Zach kidnapping qui a pas poursuivi dans le pays, y'a bandi yo kidnappé professeur Pierre Buteau. La Kaline Thomas 32, yon Zak qui pouvait l'autre fois encore capacité gang yo pour nuit population d'après Société Haïtienne Histoire Géographie ak Géologie qui pas caché indignation. Nous li notre institution ça mette de yo bien rapide sous ça. Conseil direction Société Haïtienne Histoire Géographie ak Géologie apprenne avec consternation kidnapping président li qui c'est monsieur Pierre Buteau éminent professeur historien ak, et puis conférencier. Nouveau cas séquestration, ça a confirmé capacité nuisance croissante groupe armé en Haïti. Conseil encourager toute force l'audio autorité compétente ak citoyen engagé pour adopter mes y appropriées dans l'idée pour professeur capable de jouer libération rapide. Société Haïtienne Histoire Géographie et Géologie qui a préparé pour commémorer centenaire création li 8 décembre 1923 8 décembre 2023 invité population à qui réveil et puis un sursaut patriotique pour retirer pour endiguer dépérissement nation. Pour conseil Port-au-Prince 24 janvier 2023 c'est maître Gerdi Lissad qui c'est vice-président avec docteur Gaëtan Mentor qui c'est trésorier administrateur qui c'est bah note si là. Question Zaka kidnapping en pays après que nèg exam fin kidnappé là et professeur Pierre Buteau ancien ministre éducation nationale en pays gain Zaka kidnapping qui était fait toujours lundi qui était 23 janvier 2023 dans Port-au-Prince dans centre-ville Port-au-Prince précisément zone bicentenaire côté nèg exam kidnappé et andi entraîneur football jeune c'est Chériza Orza, que bandit kidnappé dans centre-ville Port-au-Prince, précisément son bicentenaire, c'est une collaboratrice Lee, Marie-France Joseph, qui informait la presse sur le dossier Zak kidnapping. Si là. C'est vrai, après un pile année là, nous connaissons football, nous en campé, pas dans 15 sports, surtout football, qui a pratiqué en deux pays, qui donc, à cause de la question de l'armée qui envahit toute zone nette, n'a bien aimé poser la question, est-ce que Ronge Kouadebou qui a fonctionné? Pas quoi. Parce que côté au pral passé, pour aller entraîner Timounio, et
on regarde le championnat national là, pas gain ça même, parce que statistique 14, qui tout près bien tenir là, c'est été chargé. Qui donc, nous avons plusieurs années là, ou pas joindre sacré les championnats national non, qui a fonctionné. Bon, malgré tout problème qui est dans la fédération en tout, que nous même pas rentrer dans cause ça, mais faut mentionner tout ça au tout. Mais il est clair que, mais situation ça, mais mauvaise nouvelle pour question football, question secteur ça en Haïti, mais après nouvelle, Zaki Napin qui fait sous Chérisa Orza. Et lui-même, c'est Jeanne Dian, ses collaboratrices, c'est Marie-France Joseph, qui confirme les nouvelles ici là. Il était lundi 23 janvier 2023, entraîneur football Genio, Chérisa Orza, que bandit kidnappé subi sa tenir là. Côté nouvelle ça, lui choqué et familial. Chérisa Orza, lui-même, un jeune cap et des Timoun et puis bandit kidnappé, selon ça que n'apprendre. Je quitte lundi 23 janvier à subir sa tenue là. Ça qui mettait en pile la peine, en pile crié, dans mes top proches liés, dans mes top collaborateurs, collaboratrice liés. Mais côté, il a exigé libération Chérisa Orza. Que yo fait qu'on est famille proche de bagon good lesco pour le tabay pour libération Chérisa Orza qui donc dans sens ça yo mande avec ravisse yo pour yo tande la raison tande cri proche li yo tande cri collaborateur collaboratrice yo pour yo libérer et Chérisa Orza qui lui-même c'est coach capable c'est entraîneur football jeune dans pays et d'Haïti. Nous avons toujours été sous question et sécurité, mais avant nous aller sous réunion spéciale ça qui était faite hier sous dossier haïtien côté même j'ai été annoncé ça Conseil de sécurité Nations Unies t'est penché à Yamadia sous cap pays d'Haïti côté représentante secrétaire général ONU en Haïti Hélène Lalime t'est présenté à court transition 21 décembre, comme un signe prometteur qui c'est résultat et fort dialogue. Jusqu'à présent, Madame Lali m'a annoncé à membre Conseil sécurité que sanctions bilatérales qui te prend yo bien accueilli en Haïti. Mais yo ça a créé un espace pour un dialogue politique supplémentaire avec réforme nécessaire d'après chef bureau intégré Nations Unies en Haïti qui fait connaître sanctions bilatérales yo Haïti t'est bien accueilli yo mais si ça a créé un espace pour un dialogue politique supplémentaire avec réforme nécessaire il a ajouté presque 5 millions moun dans insécurité alimentaire en Haïti pour représentant pays d'Haïti représentant Haïti dans ONU Antonio Rodriguez dans intervention fait état yon taux croissance négative pendant trois dernières années et que situation économique est désastreuse avec un taux d'inflation qui est actuellement 47%. Un diplomate haïtien reconnaît la situation sécurité en Haïti catastrophique. Cependant, il croit malgré tout bagay sa yo, accord politique 21 décembre, c'est une réalisation majeure yo. L'idée décrit comme une feuille de route pour que le pays capable de sortir de la crise. La traversée journée, je vous dis, concernant accord d'Haïti 21 décembre, États-Unis déclaré, je vous dis, à un conseil sécurité, adoption accord ça, c'est une opportunité pour Haïtiens capables retourner à restauration, stabilité pays et puis amélioration gouvernance. Représentant américain Robert Wood a annoncé États-Unis identifié 6 additionnels pour sanctionner Haïti. Liste qui a transmis à bas Conseil sécurité Nations Unies pour Dimitri Poulianski qui représente permanent adjoint Fédération Russie bas côté Nations Unies. Elle dit États-Unis Canada a pensé orienter processus interne vers sa lirele avec sanctions temporaires. Royaume-Uni, lui-même Soubopal dit, il est prêt pour envisager nouvelles sanctions en Haïti. Et puis, il a approuvé également demande force internationale pour aider PNH là. Et puis, il a appelé à une réponse urgente à la demande d'assistance internationale pays d'Haïti dans le Conseil de sécurité ONU. Responsable et fondement l'ordre public doué connaît que il n'y a pas qu'à agir en toute impunité. Déclaration Ferry Oza, qui est représentant permanent Albanie, bon côté Nations Unies dans le Conseil de sécurité pendant li approuvé régime sanction yo ambassadeur pays Brésil dans ONU déclaré pays il croit toujours à solution qui sorti bon côté haïtien puis appelé pour capable approfondir dialogue actuellement ça que li espérer capable ouvrir à voie élection qui sûr transparente si parti pour notre haïtien nous accepter pour parler pour capable faire des compromis diplomate président encourager dialogue et puis accord 21 décembre pour initiative politique il dit il a besoin urgent pour capable élargir consensus là pendant que Canada et Haïti a besoin d'assistance et ben selon Bob Way ambassadeur à Canada dans le pays Nations Unies qui fait connaître Haïti besoin d'assistance et Canada pour continuer d'aider
Haïti joindre assistance pour capable aider le réseau de crise humanitaire qui gagne dans le pays. Oui, même là, jusqu'à présent, gros débat fait sur question, est-ce que l'État de grand force étrangère militaire en Haïti, est-ce que c'est voyer ça capable d'y là de moyens techniques pour accompagner la police nationale d'Haïti, hein? Mais débat continue à faire et quatre pays Canada qui jusqu'à présent, pourquoi vous voulez, on dit, t'as d'accord pour l'État prendre leadership, on dit, si toutefois t'as guerre force étrangère militaire, ça qui t'a venu en Haïti, même les États-Unis ont mis pression pour que le Canada capable de prendre leadership là, mais débat a fait sur question ça, mais il y a pile acteur qui plaide pour tout, et plutôt pour, c'est, nous capables de dire, c'est moyens et techniques que vous voyez, by la police nationale d'Haïti a cap aider eux-mêmes pour mater les affaires de sécurité, hein. Hier, nous t'étendais, c'est colonel Imler Rébu qui t'a mis accent sur ça, pour te faire connaître gapil pays là qui pas venir risquer la vie soldat yo pas boy site parce que yo pas andi gain trop gros intérêt pour ça je dis hein, mais yo préférer plutôt yo au lieu que c'est ta voyer et propre soldat vinn goumé là vaut mieux que yo voyer yo dit yo entend plutôt voyer moyen technique pour Haïti avec bah, la force andi force l'audio n'a pas de la police nationale d'Haïti pour aider yo mater insécurité qui gain là qui donc et n'a pas rappelé que demande ça qui était faite dans résolution ça qui était signé voté par on dit tout ministre en gouvernement docteur Ariel Henry hein, c'était dans le mois octobre 2021 passé hein, côté il a demandé mais avec conseil sécurité de l'ONU pour livrer sa ville en force étrangère militaire pour aider Haïti dans maté affaires insécurité à Baboïcite. Gros débat toujours fait et n'a toujours fait si rappel ça avec ministre des affaires étrangères pays d'Haïti hein, qui c'est Jean-Victor Généus qui ne songeait avant même il était fait demande là-bas côté conseil sécurité de l'ONU hein, qui était aller sous les Nations Unies on premier temps vous dit que tout bagage sous contrôle sauf on, sauf quelques cas isolés qui est comme si que pas des trop gros problèmes afin sécurité mais deux trois semaines après elle t'a démenti tête li pour le montrer que situation lui-même est très difficile et c'est ça que pousser autorité pas bon si tu fais demande bon côté et conseil sécurité de l'ONU gagnant j'en dis à diplomate Dominique qui critiquait en dit mon conseil l'ONU qui y a même trouvé que qui souvent échoué dans mission pas bon ici en Haïti. Jodi an, est-ce que pouvoir attendre une force étrangère militaire ça pour mater sécurité qui vient là? N'a pas rappelé tout que PM Ariel Henry nous songeait que lui fait qu'on est année 2023 ça son année électorale. Comment va faire élection? Question un peu l'acteur a posé. Est-ce que le sop qu'a fait pendant que jeudi à sécurité la prend j'arrête dans société an? Comment au candidat pral mené campagne en dans le troisième nan, nan niveau canaran, nan croix des bouquets, nan peigné torsel, nan andi la boule? C'est des questions qu'a posé. Qui donc, y a monde qui dit est-ce que c'était espoir force militaire que Ariel Henry était gagné, qui t'est fait par l'élection année 2023? Question qu'a posé sous question ça au toujours, jeudi an, nek armé décidé terroriser population dans différents côtés et mounio pas gagné on dit par contre ça pour dit parce qu'il a monté le ciel pas d'eau je dis hein, est-ce que la police paraît impuissant incapable pas de volonté pas de moyens question mon a posé.